Bonjour mes chers amis, vous apercevez ici un vitrail que l'on pourrait croire être le vitrail de l'Ascension puisqu'on voit notre Seigneur élevé dans le ciel. Mais ce n'est pas exactement cela, c'est le Sacré-Cœur qui apparaît à Sainte Marguerite Marie à la Coque et vous avez représenté sur ce vitrail, je vous laisse jouer à la devinette si vous voulez retrouver chacun, il y a Saint Jean Eudes, il y a Saint François d'Assise, vous pouvez en retrouver tous, ils ont tous un lien avec le Sacré-Cœur. Ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, ce terme de l'ascension, hein, qui vient du latin ascendere, qui veut dire lever, s'élever, à ne pas confondre avec le terme français assomption. Ascension, c'est le Christ qui s'élève, c'est-à-dire par sa propre puissance, par sa propre force, puisqu'il est Dieu, il s'élève en corps et en âme au ciel. À ne pas confondre avec le vitrail qui est en face, de l'autre côté, dans le transept sud, et qui lui représente le couronnement de la Très Sainte Vierge Marie qu'on nous fêtons lors de la fête de l'Assomption le 15 août. Mais Assomption, ça vient de assumere, donc, qui veut dire prendre. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui prend la Très Sainte Vierge Marie, qui se baisse, si l'on peut dire, vers la terre pour élever Notre-Dame vers le ciel. Elle est assumpta, elle est prise, elle est élevée, mais ce n'est pas par sa propre puissance, évidemment, puisque nous savons que la Très Sainte Vierge Marie, aussi parfaite soit-elle, est une pure créature. Voilà mes bien chers frères, cette petite leçon de vocabulaire en ce jour de la fête de l'Ascension. Je vous souhaite une excellente journée, une belle fête de l'Ascension ensoleillée. Que Dieu vous bénisse, restons unis par la prière et je vous dis à demain.